Comme il est de coutume en période de vacances parlementaires, le député du 1er siège du 3e arrondissement, Vincent de Paul Ngondjou, est allé faire le point à sa circonscription politique, notamment dans la Fédération 1, sur les lois adoptées au cours de la session et de revenir sur la situation politique du moment. Une occasion pour le secrétaire fédéral de réaffirmer à leurs élus leur soutien. Vincent de Paul Ngondjou est un homme objectif qui finalise toujours ses actions. Un bon faiseur et bienfaiteur. C'est un véritable Casanova, séducteur fou, amoureux du peuple gabonais. C'est en citant quelques-unes des lois que l'honorable a échangées avec sa population, conformément aux vœux du président de la République Ali Bongo Ondimba. En matière de politique de santé en République gabonaise, et notamment les dispositions réglementant l'internement des malades mentaux, le texte propose la création dans tout le Gabon des centres spécialisés de santé mentale pour une meilleure prise en charge des personnes. En abordant les questions d'actualité, il est revenu sur le nouveau système de rémunération et sur le mouvement d'héritage et modernité. Les fonctionnaires, depuis le 25 juillet dernier, le président de la République en a fait une de ses grandes priorités dès le début de sa magistère. Notre démarche n'a jamais visé un tel dessein. Nous avons estimé qu'il était de notre devoir, en tant que cadre et élu du parti, d'interpeller les instances du parti sur les conséquences d'une dérive de cohésion du parti. Il a donc exhorté les uns et les autres à toujours défendre la politique du PDG. Les bâches installées pour cette caravane médicale étaient combles. La population de Nzengayo-Montalier a répondu nombreuse à cette opération de soins gratuits. Médecine générale, pédiatrie, gynécologie, stomatologie, ophtalmologie, dépistage du diabète, l'hypertension et d'autres maladies ont été traitées. L'œuvre de l'UDIS a été bien perçue. J'ai eu tous les médicaments qui ont été prescrits dans les ordonnances des enfants. Là, maintenant, je rentre chez moi. Les enfants, là, soit les parents. La procédure, c'est qu'on vous consulte. Vous avez une ordonnance, vous vous rendez à la pharmacie. Bon, sauf qu'à la pharmacie là-bas, je ne sais pas trop si tous les remèdes sont prêts. S'il y en manque, on te donne au moins la moitié. Le reste, tu vas chercher en ville. C'est la moindre des choses. Pour le président du parti UDIS, ce geste n'a rien à voir avec la politique. L'Union pour la démocratie est un parti, mais c'est d'abord une association. Et en santé, il n'y a pas de politique, il y a point de politique. Vous savez, on peut être UPGiste, on peut être de l'ADR, on peut être de l'Union nationale ou du PDG ou j'en passe. Est-ce que vous pensez que là, on a besoin de savoir si tel appartient à tel ou tel autre parti? La santé n'a pas de politique ou n'a pas de parti politique en tant que tel. C'est une association. Il faut bien que des cotisations que l'association engrange, on donne un sens. Notre parti, c'est d'abord la vocation de social. À partir de cet instant, nos militants et nous avons décidé de faire toujours dans cette logique, parce que c'est ce qui a toujours animé les instances donc décisionnelles du parti. Et puis, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale est un parti politique qui lutte pour le bien-être des Gabonais et qui soutient la politique d'Ali Bongo Ondimba, le président gabonais. À l'initiative du délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais et le collectif Gabonais avant tout, se tient depuis le week-end écoulé la première édition du trophée du MAPAN. Cette initiative vise à libérer et valoriser le potentiel sportif des jeunes issus des quartiers sous-intégrés de la capitale gabonaise. Vous savez que ce sont les vacances et puis nous avons pensé qu'il fallait occuper les jeunes des différents quartiers populaires de la capitale, pour ne pas dire de l'estuaire. Et en concertation avec les responsables de ces différents quartiers, nous avons lancé le concept des trophées du MAPAN. Prévu pour donner à certains talents une opportunité unique d'espérer atteindre un jour l'élite. L'occasion de la journée nationale du drapeau, qui est placée sous le signe du patriotisme, nous avons décidé que la finale se déroule à cette date-là, au stade de Nzengayo, au cours de laquelle, justement, il y aura tous les représentants des différents clubs de football, il y aura également des représentants de petites associations, de quartiers, et qui nous permettront justement de pouvoir ensemble favoriser justement cette détection-là. Le tout sous le regard d'un bien curieux invité surprise. Je trouve excellente l'idée. Je passais par là et je me suis arrêté parce que bon, je suis un passionné, j'aime bien. Et puis c'est des matchs de quartier, c'est des matchs de proximité et je crois que la jeunesse a bien besoin. Il faut l'occuper, il faut la rendre active. Et je crois que
Rendre libre la jeunesse, c'est lui offrir ce genre de plateau. Placé sous le signe du patriotisme, le tournoi du MAPAN comprend 16 équipes et se joue sur une période d'une semaine. La finale aura lieu le 9 août prochain lors de la journée nationale du drapeau au stade de Nzengayon à Libreville.